Không quy chụp. Ông chủ tịch đặc biệt bản tỏ cái đàm phán tại thị sam naka. Sốt đấy, lục sạ sấy, ta lục ban triem khluon ruoi hai roal hai rưn nữ. I'm actually done with my questions, Mr. President, so we rest. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Antagissé, je suis co-avocat international de Monsieur Tiusakon. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions complémentaires. Est-ce que vous m'entendez? Mes questions seront essentiellement dirigées sur le centre de Hokansang. Et à titre de première précision, je voulais vous demander de préciser un point. Vous avez indiqué que lorsque des personnes étaient amenées au centre de sécurité, parfois il y avait une lettre d'accompagnement qui précisait le motif de l'arrestation. Ma question est donc la suivante. Est-ce que ces lettres d'accompagnement concernaient à la fois les civils et les militaires, ou est-ce qu'ils ne concernaient que les militaires? En ce qui concerne les soldats, j'ai compris que vous avez indiqué qu'il y avait deux régimes différents. Il y avait les militaires qui étaient considérés a priori comme dangereux et qui étaient placés, qui arrivaient et qui pouvaient être ligotés, et que d'autres militaires également pour amener au centre de sécurité pour des délits plus légers. Eux n'étaient pas ligotés. Est-ce que j'ai bien compris votre J'ai compris également que les personnes au régime plus sévère étaient enfermées dans une salle et qu'en revanche, les personnes qui étaient là pour des délits plus légers, elles pouvaient circuler dans l'enceinte du centre. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Je voudrais revenir sur les gardes qui travailler lorsque vous étiez au centre de sécurité. Vous avez évoqué un certain nombre de personnes et il me semble que vous avez dit qu'il y avait 9 gardes. Vous ne vous souveniez pas de tous les noms. Est-ce que vous vous souvenez en revanche s'il y avait des personnes d'origine de minorité ethnique parmi ces gardes?
Monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez? Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y a un problème technique. Mais... ដំណើរការវិញហើយសុត្រីលោកសាក់ស្អីតែលោកស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំបានទេលោកដាច់ដាច់មិនអីទេចឹងហើយអាចបន្តបានណាសូមអញ្ជើញមិត្តវិអន្តរជាតិការពីក្រីលោកខៀវសំផន Monsieur le témoin. Monsieur le témoin, la question que je vous posais lorsque nous avons été coupés était de savoir si vous vous souvenez si parmi les neuf gardes que vous avez évoqués qui travaillaient au centre de sécurité, s'il y en avait qui appartenaient à des minorités ethniques. Est-ce que vous pouvez indiquer son nom, si vous en souvenez, et de quelle minorité ethnique cette personne était? Je voudrais voir si je ne peux, peux pas vous rafraîchir la mémoire autrement. Dans le cadre de votre interrogatoire, de votre déclaration devant les coachs d'instruction du 3 novembre 2009, vous avez été enregistré et nous avons fait une transcription partielle de cet enregistrement audio. C'est le document, Monsieur le Président, D232. /532R et le passage qui m'intéresse se trouve entre 1h27 et 36 secondes et 1h28 et 24 secondes. Et vous évoquez les personnes, les gardes qui travaillaient au centre. Et à un moment, vous évoquez deux personnes et vous dites ceci. Encore deux autres personnes qui étaient des Cham. À l'origine, ils habitaient à Bangkok Seng, à l'unité 6, comme les autres. Fin de citation. Donc là,
lorsque vous êtes interrogé en 2009, peut-être que les choses étaient plus fraîches. À votre esprit, vous évoquez deux personnes, deux gardes qui étaient Cham. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Et la personne dont vous vous souvenez, dont vous avez dit vous souvenir, qui appartenait à une minorité ethnique, même si vous ne vous souvenez pas aujourd'hui qu'elle était Cham, est-ce qu'elle travaillait déjà au centre lorsque vous y êtes arrivé, ou est-ce qu'elle est arrivée après vous? Et est-ce que vous pouvez préciser par rapport à ma question, à savoir est-ce qu'il était déjà là lorsque vous êtes arrivé au Kansai, ou est-ce qu'il est arrivé après vous? Je ne vais donc pas insister. Je voudrais également évoquer, par rapport à l'organigramme des divisions que vous avez évoquées devant cette chambre, je voudrais savoir si vous vous souvenez d'un adjoint de Sosarun qui s'appelait Taleu. Désolé pour mon accent, pour les interprètes, ça s'écrit en français en tout cas, L-E-U. Est-ce que vous vous souvenez de Taleu? Et est-ce que vous vous souvenez s'il appartenait à une minorité ethnique? Est-ce que vous savez laquelle? Je vais essayer de voir si je peux vous rafraîchir la mémoire. L'entretien CDCAM que Chamsé et sa femme dont on a évoqué plusieurs extraits aujourd'hui, c'est le document E319-23.4.1 à l'URN en Khmer 00931998 et à l'URN en anglais 01 07 94 93. Il n'y a pas d'URN en français. Chomsé dit que Taleu était Jarai. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ou pas? ទៅលើបានមករស់នៅក្នុងមន្ទីរកងពល 801 ខ្ញុំមិនដែរបានហ៊ានសួរគាត់ជាជនជាតិអីជនជាតិអី
pas de problème. Un autre point que je voudrais aborder avec vous, et toujours en rapport avec les gardes que j'évoquais avec vous, en votre qualité de numéro 2 ou numéro 3 à Okansang, est-il exact de dire que c'est vous qui gériez les gardes, en tout cas que les gardes étaient sous votre autorité? Est-ce que il ne vous arrivait pas lorsque un garde commettait une erreur, n'obéissait pas aux instructions, de éventuellement le sanctionner? Alors, je voudrais vous demander une précision. Dans votre déclaration E3-406, à la réponse 4, vous évoquez une faute qu'a commise à un moment. En français, A-U-Y, qui était un garde. Et vous évoquez, et je vais vous lire précisément ce qui a été indiqué dans votre déclaration. Autrefois, Taoui, qui était un gardien venu de l'unité 806, a un jour commis un acte d'inconduite morale avec une femme prisonnière. Par la suite, il a été retiré et transféré au centre de Tavana. Fin de citation. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez souvenir de la faute commise par Taoui et qui l'a retiré et qui l'a sanctionné à la suite de cette faute? Et savez-vous qui a pris cette décision à l'échelon du bataillon 806? Est-ce que je dois comprendre de votre réponse que c'est Tamon et Takoi qui ont pris la décision de retirer Taoui? Vous avez... au cours de votre déposition, je ne me rappelle plus à quelle heure, vous avez évoqué, on vous a posé des questions sur un certain Ongren, et vous avez dit avoir travaillé avec lui. Ma question est de savoir, est-ce que pendant que vous travailliez au centre d'Okansang, vous avez vu Ongren?
Et pour les interprètes, pour moi, la prononciation serait mauvaise. Je parle de UNRAN, UNG, Tuloin, REN. ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយអង្គរ៉ែនតាំងពីនៅសមរភូមិពីយកភ្នំពេញក៏នឹងគាត់ជាប្រធានវិរៈសនាតូចហើយរហូតដល់គាត់ទៅជាប្រធានវិរៈសនាធំលេខ 8 ពីរហូតដល់គាត់មកនៅកន្លែងកងពលនៅពេលដែលខ្ញុំមកនៅមន្ទីរសន្តិសុខអូនសែងខ្ញុំមិនដែលបានជួបគាត់ទេពីព្រោះគាត់នៅភ្នំពេញ Est-ce que vous savez s'il avait des liens avec Ta Sarun? Excusez-moi, vous me parlez de qui? De Ongren ou de Ta Sarun? Ongren ou Ta Sarun? Quand vous dites il. Et l'autre a quoi? Non, quand tu es sénat de Ka Phnom Penh, l'autre s'en d'aille le Nenam, oui? J'aime s'en d'aille le Ongren. Donc ma question était de, je vais poser la question différemment. Est-ce que vous avez à un moment donné de votre séjour à Khon Sen, est-ce que vous avez entendu qu'il y avait eu une intervention pour libérer les prisonniers qui étaient là pour des délits mineurs? Est-ce que vous vous souvenez qu'un certain nombre de personnes ont été libérées à la suite d'une intervention de quelqu'un? ក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនមានការចងចាំថាមានការណែនាំឲ្យដោះលែងអ្នកស្រាលអីយ៉ាងណាណាខ្ញុំភ្លេចដែរ Je voudrais savoir si je ne peux pas vous rafraîchir la mémoire. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas forcément la date exacte. Mais en tout cas, Ongren a déposé devant cette chambre dans le cadre du premier procès. C'était le 10 janvier 2013. PV d'audience E1 bar 158.1. Et entre 15h41 et un petit peu après 15h46, il évoque son intervention auprès du commandant de division en charge de Khon Saeng pour libérer certaines personnes ayant donc commis des délits mineurs. Et il indique que finalement, ces personnes auraient été libérées. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ou pas du tout? Merci, Monsieur le Président. Je pense que dans la question, ce n'est pas très clair sur le passage qui a été cité de la déposition d'Ongren. Il me semble que je n'ai pas entendu mentionner le
centre de sécurité d'aucun centre. On le sait, le témoin l'a dit, au moins un autre centre de sécurité qu'il a mentionné hier. Il y avait sans doute également d'autres centres de sécurité qui ne pas dépendre directement de 801. Je ne sais pas si la question pourrait être formulée de manière précise pour que l'on sache si Khmer Khmer a bien visé un centre de sécurité précis dans la zone nord-est. Je vais donc citer plus précisément le passage. Donc un petit peu après 15h41, 59 secondes. Voilà, 4 ou 5 jours plus tard, donc là c'est Ung Ren qui parle, 4 ou 5 jours plus tard, des gens sont venus me rencontrer et me parler de leurs enfants. Et je leur ai posé quelques questions. Ils m'ont dit que leurs enfants avaient été arrêtés et envoyés au centre de sécurité d'Okansang. Et c'est ainsi que j'ai appris son existence. Et par la suite, il évoque son intervention auprès du commandant de division. C'est quelque chose qui vous rafraîchit la mémoire ou pas? ខ្ញុំមិនដឹងថាលោកអង្រែនឹងត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍ជាមួយមេដឹកនាំកងពលពេលណាហើយគាត់មានសំណូមពរដោយលោកបានសួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹង Il n'y a pas de souci, comme vous l'avez indiqué plus tôt, qu'il y a des choses que peut-être, dont vous n'étiez peut-être pas au courant, il n'y a pas de souci. Je voudrais maintenant vous poser une question, deux petites questions sur No. Vous avez évoqué la présence de No au centre de sécurité d'Okansang à un moment donné, vous dites avoir assisté à quelques interrogatoires qu'il a menés. Vous avez également indiqué qu'il a dit venir de Phnom Penh. Ma première question est de savoir est-ce que No était un militaire. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps il est resté à Okansang? Ta lok men cham ta no ni nou Okansang a rya pel pman dae. No nou mok ping ka nge nou mti Okansang. Pman che 3 khai rư ko 4 khai pan nang te. Kot mok khai pa sa hai kot vul te vinh nou chong chnam. Et il ne vous a pas dit s'il venait d'une unité, de quelle unité il venait. Ce ne sont pas des informations que vous avez échangées avec lui. C'est bien exact, si j'en crois ce que vous avez dit lors de votre déposition. Quand on m'a dit qu'il venait d'une unité,
trong ca sâm đai sâm ná cọt ban nị dây tha cọt nơ cái lai sô chm lai nơ phnom pinh nơ vì đám cái hào tô swai prey nhóm chăm ở tô swai prey Est-ce que vous pouvez répéter le nom de l'endroit et est-ce que c'est le nom qu'il vous a donné lorsque vous avez discuté avec lui à ce moment-là ou c'est un nom que vous avez appris après? Je suis dit que 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 je tôi slide có không đăng về cõi và tại tam ca son đền này bọc nhom mũi con nó còn dây đi đi tăng nơi sala riêng hay nơi khang lệch tụt chân ấy hay cả nơi nhom nơi thâu tối nhom nơi mà đông nâng hay nhom thả tù xoay prey của tháng nhỏ còn đăng đài còn đăng là cái lại nước miền sala bên này hay cõi mà bằng cái hào tôi slide hay cõi mất đăng tham bên so mà phơi mùi thì nhầm đăng về cõi thì hay đi về nâng nhầm mất sau hiện từ chi số ấy chơi chơi thì Et est-ce qu'il vous a dit spontanément, puisque j'ai compris que vous n'osiez pas lui poser trop de questions, est-ce qu'il vous a dit qui était ses responsables hiérarchiques? Je vous remercie de ces précisions. Dans le cadre de votre interrogatoire, de votre déclaration par le 3/406, à la réponse 3, évoquez deux personnes qui encodaient, enfin en tout cas une personne qui encodait les télégrammes de Tassou Sarun, à savoir un certain Sambat. Et vous avez également parlé de sa femme Sun qui était chargée de taper les télégrammes. Est-ce que vous savez si Sambat et Sun ont travaillé pendant longtemps avec Tassarun et si ils ont suivi différents transferts ou différentes étapes de sa carrière? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Là phải đầu tìm chia ca con phố năng đại tế một sống bắt kia là căn vật xúc chạy tôn nơi to cho mùi ta sẽ rướn tăng khi nơi con phố đọc mùi hay bà bôn bọc gót kì chơi rơ nơi khăn ông ngập hiệp con để đi một sống buồn cả nâng con nơi kia nì ra xa ra bỏ và thiên và đã xin là tôi lên và bay rồi buồn nâng để ta cho một sườn nâng. Vous parlez de Sun, vous voulez dire la femme de Sambat, c'est ça? Sun, la femme de Sambat, ou que l'on n'y a pas de bokol nam mui psaing tiete? Sun, la femme de Sambat. Et est-ce que
ces deux personnes ont travaillé pour Tasarmun pendant au moins jusqu'à la fin du Cambodge démocratique. Il y a un rapport dans type de chap dans le pays Cambodge, petit travail d'ailleurs, ou quoi, yang na. Et un dernier point de précision sur Okansang. Est-ce que vous vous souvenez si Chamsay tenait des réunions avec les prisonniers Centre de sécurité? Et si oui, à quelle fréquence? Okansang ni dai rute hai ba san je kwat ban baak kach prachum ai noh ta ka prachum noh nyak nyop kamrat na dai. Riêng rõ đọc thằng ngày mà đón chom sai tay anh thật thuật cả ọp rùm nạc tốt nạc nông mình tì xoắn sọc ô con sai. Est-ce que vous souvenez de quel type de réunion il s'agissait? Ta lok mien cham dai rite tha ta ka no pe le thua pachum avai dai ke nige ampi avai dai pe pachum nung. Ka pachum ku oprum samkhan nige ampi ka khom ko sang parivot sangkum niyum ampi ka bangko bangkan phol. Hãy trở lại cửa rộng bạc làm xa cứ miền phần năng hãy trở lại mọt rộng cho mỗi bạc. Je voudrais vous lire ce que Chamsay a indiqué sur le contenu des réunions et vous direz si ça correspond à vos souvenirs. C'est au document O3/3984 à la réponse 6. Voilà la question qui est posée à Chamsay. Est-ce que vous avez eu l'occasion de diriger des prisonniers dans une réunion de travail? Sa réponse est la suivante. Je tenais une réunion avec les prisonniers toutes les deux semaines. La réunion avait pour but de faire connaître la situation du pays et l'éducation en matière de vie quotidienne dans mon centre. Elle servait aussi à éduquer leurs esprits pour qu'ils se corrigent par rapport aux vieilles fautes qu'ils commettaient lorsqu'ils étaient dans la base et à propos desquels les autres rendaient compte à leurs unités. Fin de citation. Est-ce que ce que dit Chamsay correspond à vos souvenirs? Est-ce que ce que dit Chamsay correspond à vos souvenirs? Chúng kết tha cả trong trăm bó lục xe có trăm ban bị vô gót thơ phút tỏ nơi lại nâng cao rung hay khlâm xa còn đi dê hay cầm rôn để có riêng trong bởi chung có miệng cầm nịch chẳng có trăm chiếng khí nhầm. Et vous-même, est-ce que vous assistiez à ces réunions? Oui, je suis en train de faire des réunions.
J'en ai terminé, Monsieur le Président, et je cède la parole à Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. បាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគ្រប់អង្គជំរាបសួរលោកសាក់ស្រីខ្ញុំគង់សំអនជំរាបទៅវិជាតិកាលពីលោកខៀវសំផនហើយតទៅនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយដើម្បីសូមបញ្ជាក់លោកតំបន់តេតតងទៅនឹងការច្បាច់បញ្ចូលកងពល2គឺកងពល ខ្ញុំចង់សួរលោកថាក្រោយពីការច្បាច់ចូលនៃកងពលទាំងពីរនេះគេហៅកងពលនឹងជាកងពលអីដែរលោកដឹងទេក្រោយពីច្បាច់ចូលគេហៅកងពលលេខ14បាទសូមអរគុណបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះថ្ងៃ17មេសាហើយលោកខ្ញុំឡាយរបស់លោក ក្រោយមកគេបានធ្វើមហាសន្និបាតខាងយោធាដោយមានការបង្កើតកងពល3មួយគឺកងពល801ហើយក្រោយមកទៀតលោកក៏ជាសមាជិកនៅក្នុងកងពល801នេះដែលបានត្រូវបញ្ជូនទៅខាងភូមិភាគឥសានហើយលោកបានបញ្ជាក់ពីព្រឹកមិញផងដែរថា ការបញ្ជូនទៅនេះដោយសារតែមានបញ្ហាទំនាស់ខាងព្រំដែនជាមួយវៀតណាមហើយទើបមានការបញ្ជូនទៅខ្ញុំចង់សួរលោកបញ្ជាក់ថាតើលោកដឹងពីមូលហេតុដែលថាមានទំនាស់បញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមនេះតាមរបៀបណាដោយរបៀបណាអាចថាជាការប្រជុំឬក៏តាមរយៈមេបញ្ជាការប្រាប់ឬដូចបដិលោកអាចបញ្ជាក់បានទេ មុនការរៀបចំចេញទីភ្នំពេញទៅខេត្តរតនគិរីបោកសានអនុប្រធានកងពលបានប្រជុំពួកខ្ញុំប្រាប់ថាយើងត្រូវរៀបចំឲ្យបានទៅខេត្តរតនគិរីពីពួកកងពលយើងទាំងមូលធ្វើការពារព្រំដែននៅខេត្តរតនគិរីហើយខ្លឹមសារលម្អិតយ៉ាងណាយ៉ាងណាតកតងនឹង វៀតណាមយ៉ាងណាណាក៏អត់បាននិយាយគាត់ឲ្យរៀបចំត្រៀមសម្ភារៈហើយនឹងប្រាប់សមាជិកដែលត្រូវទៅជាមួយគាត់តែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអីបានជាកងពល801នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសមិនជ្រើសរើសកងពលផ្សេងលោកដឹងទេ នេះជាការជ្រើសរើសរបស់សេនាធិការឬក៏អគ្គបញ្ជាការកងទ័ពទាំងមូលបាទសូមអរគុណលោកនាយីអំពីបទពិសោធន៍យោធារបស់តាសឺរឿនដែលជាមេបញ្ជាការកងពលតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាលក្ខខណ្ឌដោយសារតែបទពិសោធន៍របស់គាត់នៅក្នុងភូមិភាគឥសានដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់នោះដែរទេ ខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់អីលក្ខណៈសម្បត្តិអីហូហើយខ្ញុំគ្រាន់តែកត់សម្គាល់ថា កងពល 801 នៅពេលដែលវាយចូលភ្នំពេញគឺមុខសញ្ញាកងពល 801 ហ្នឹងវាយធ្លេងមុនគេតាមច្រកពោធិ៍តុងបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅពេលដែលលោកទៅដល់ខាងមណ្ឌលគិរីខាងរតនគិរីហ្នឹង ជាពិសេសនៅពេលដែលលោកឈរជើងនៅអូកន្សែងតើព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាឬក៏ការឈ្លានពានតាមព្រំដែនរបស់កងទ័ពវៀតណាមហ្នឹងលោកបានកត់សម្គាល់អ្វីខ្លះដែរទេ
នៅពេលខ្ញុំទៅដល់ដំបងស្មរពអនកងពលកងរាសនាធំដែលនៅតាមមុខសញ្ញាបានរាយការណ៍ពីសកម្មភាពឡើងទៅរោគខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនហើយបោះជំរុកនៅស្នាក់នៅពីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយរាយការណ៍ពីសភាពការនៅតាមព្រំដែនថាមានប្រជាពលរដ្ឋដើរឬក៏ចេញចូលឆ្លងទីកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះ បាទសំណួររបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងការប៉ះទង្គិចផ្នែកយោធាលោកមានការកត់សម្គាល់អីដែរមានឬក៏ដឹងលឺអ្វីដែរទេការប៉ះទង្គិចយោធានៅសមរភូមិតាមជួរព្រំដែនខ្ញុំកត់សម្គាល់ថាមានការផ្ទុះអាវុធហើយមានវាយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅតាមព្រំដែន បាទសូមអរគុណតាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់លោកវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបាននាំយកសម្បត្តិមួយពីភ្នំពេញពីអូកនសៃមកភ្នំពេញខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកធ្លាប់មកភ្នំពេញប្រមាណដងចាប់តាំងពីពេលដែលលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅខាងភូមិភាគឥសាន សំណួរដែលថាសបុតយកចេញពីអូកសែងមែនទេកាលនោះខ្ញុំអត់តន់មកនៅមន្ទីរឃុំខាំងអូកសែងទេខ្ញុំនៅកន្លែងកងពលហើយតាសិរឿននោះបានឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយឈ្មោះម៉ានហើយនឹងម្នាក់ទៀតខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះដែរទៅតែ3នាក់នោះទេ มันแม่นខ្ញុំយកសម្បត្តិទីអូកសែងទៅទេយកពីវឿនសៃទៅមកដំណើរដោយម៉ូតូបាទសំណួររបស់ខ្ញុំគឺថាលោកតាំងពីលោកចេញពីភ្នំពេញទៅកាន់តំបន់ខាងអេសាហ្នឹងលោកត្រឡប់មកកាន់ភ្នំពេញវិញប្រមាណដងដែររហូតដល់ពេលបែកភ្នំពេញ ខ្ញុំទៅភ្នំពេញតែម្ដងគត់ទៅពេលដែលខ្ញុំយកសម្បត្តិទីវើនសៃទៅកន្លែងអគ្គសេនាធិការបោះនៅភ្នំពេញបាទសូមអរគុណលោកមានដែលបានមកចូលរៀននៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលណាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយខាងសេនាធិការ ឬក៏ខាងកងពលរបស់លោកអីទេខ្ញុំមិនដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅភ្នំពេញទេតែខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវឿនសៃបាទសូមអរគុណតាក់ទងទៅនឹង ការងារផ្ទាល់របស់លោកមានទំនាក់ទំនងទៅក្នុងការិយាល័យណាខ្លះឬក៏ផ្នែកណាខ្លះនៅពេលដែលលោកធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរអូកនសែងនៅមន្ទីរអូកនសែងអ្នកដែលទំនាក់ទំនង តាមកន្លែងផ្សេងៗមានអសែឯខ្ញុំនៅនឹងកន្លែងបាទសូមអរគុណលោកសាក់សីលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរបាទអរគុណហើយអង្គជំរះក៏សូមបានព័ត៌មានពីភាគីដែរហើយអង្គជំរះបានជម្រាបជូនតាមរយៈអ៊ីមែលរបស់មន្ត្រីច្បាប់ របស់ខ្លួនខ្ញុំប្រៀបជូនទៅភិក្ខីការពីព្រឹកមិញអំពីបំណងរបស់អង្គជំរះស្ដាប់សន្និសីទភិក្ខីឬសំណើសុំរបស់នួនជាសូមស្ដាប់សក្តិកម្មសក្តិសីមួយរូបបន្ថែមទៀតនៅអភិបាលជាមួយនឹងអង្គហេតភ្នំក្រោល
hay ruom tieng oi som oi tatrua yok na kamat hait srap chom lai phong hay ni pi ni khư jeung mien pel khla dae ta jeung aich ta thveu ban ti Merci, Monsieur le Président. Bah, sommes encore nous qui viennent. Bah, email que nous avions reçu mentionné que mien lực lượng ta cà bị phe sa khné bị chung nói ní hết được ngay sai nó thì à vậy để dừng bàn án nó cứ ta sắm đặt ngay sai nó thì chẳng như ở bàn thêm lại cái này thì đồng tiền bà xin thì dừng chia lại đời sống khác ai chia lại bán có vấn đề bờ cất tới mệt tên tới sai bàn lọ vừa dừng từ ngày thêm lại cái này sắm đặt sai bật đồng tiền nó về thì bác sa văn ca sai bật nó như chúng ta dừng thêm lại cái này đảm bảo phe sa khné vì riêng năng lực thiền Oui, Monsieur le Président. អង្គជំរះអគុណសាក់សីពីទីទីរបស់យុវមន្ត្រីថាសម្រាប់ការស្ដាប់ទៅខេកម្មរបស់លោកក្នុងឋានៈជាសាក់សីដល់ពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយថាខេកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមវិភាគទានក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងក្តីនេះហើយវត្តមានរបស់លោកនៅលែងមានចាំបាច់ទៀតហើយហើយលោកអាចបើត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយសូមលោកមានសុខភាពល្អជួបតែសំណាងល្អបានទៅក្តីសុខក្តីចម្រើនហើយអង្គជំរះក៏សូមអគុណផងដែរល
ហើយលោកសាក់សៃនឹងអ្នកជំនាញដែលបានរៀបចំសម្រាប់ម្រួលនៅកិច្ចដំណើរការសហគមន៍ការតាមប្រព័ន្ធធរទួសបានប្រព្រឹត្តទៅបានល្អតាំងពីដំបូងរហូតដល់ចប់ហើយនៅពេលនេះលោកអាចសម្រាប់បានហើយហើយលោកសាក់សៃចង់និយាយអីទេ អត់ចង់និយាយអីទេបាទអរគុណលោកអាចសម្រាប់បានហើយណា បាទហើយលើសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលលើជប់សម្រាប់ហើយមកគេប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសហគមន៍ការតំណាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសហគមន៍លើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកទី ហើយសូមភីគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះហើយបង្កប់ឲ្យអនុរិយ៍ទីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតទាំងពីររូបត្រឡប់ទៅកាន់ទីឃុំឃាំងនៃអបតកវិញចុះនៅបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសម្ដែងការវិញនៅថ្ងៃស្អែកបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់ចុះ